beau bébé, ça va faire. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle du Dirk. Scottish Dirk, une petite dague. Et celle-là, c'est pas la bonne. Je vais vous expliquer ça maintenant. Bienvenue sur Explolive. Si vous avez vu la vidéo sur la reconstitution historique, où j'explique comment ne pas dépenser son argent inutilement, sachez que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et je me suis auto-baisé en achetant un truc inutile. Enfin, inutile. J'avais besoin très rapidement d'un Scottish Dirk. Le Dirk est une dague écossaise et ça sert à beaucoup de choses. Pas que tous les gens. Ça sert beaucoup, beaucoup à plein de choses. Et on verra peut-être plus tard les utilités. Là, par contre, celle-là n'est pas bonne. La lame est trop courte. Le pommeau, qui est donc c'est le pommeau, c'est ça, qui est beaucoup trop lourd. La poignée n'est pas équilibrée. Donc, j'ai une gêne au niveau du maintien, concrètement. Et surtout, avec le bouclier, ou plutôt targe écossaise, qui est comme ça, artisanat français. J'ai des problèmes de maintien, puisqu'en fait, quand je maintiens la targe comme ça, ça se met de cette façon-là pour pouvoir combattre, j'ai un problème ici, donc je suis mal équilibré. Si je prends un coup direct, elle s'en va. Et j'apprends en fait sur moi, quoi. Donc, je suis pratiquement en train de la lâcher. C'est pas bon du tout. J'ai pas le maintien global et complet de la poignée avec le dehors. Surtout qu'en plus, vu qu'il est trop court, eh ben, j'ai pas grand-chose pour me battre. Hein. Et pas du tout. Donc, avec un ami forgeron, lui, c'est son travail, de forger, et on va recréer un vrai dirk à partir d'une source archéologique, et on va voir la différence après. On y va. Comme le sporon, il n'existe pas deux dirks identiques. On en trouve de tout type, que ce soit la lame ou la poignée, et les finitions sont aussi uniques. La lame mesure généralement entre 12 et 16 pouces, soit 30 cm48 et 40 cm64. La mesure de la poignée se fait avec la main fermée, ce qui correspond généralement entre 10 et 15 cm. Bien évidemment, tout le monde n'a pas la même main. Le modèle choisi pour la forge provient du livre nommé Ancient Scottish Weapons de James Drummond, qui répertorie pas mal de pièces d'armement conservées à Édimbourg. J'ai contacté le National Museum Scotland afin d'avoir plusieurs renseignements sur ce dirk. Malheureusement, pour cause de Covid, la conservatrice n'a pas pu donner de formation sur l'objet. J'ai donc pris comme inspiration ce modèle en prenant en compte ce qui est attesté pour les dirks. Je suis avec Patrice, un ami forgeron qui est forgeron depuis qu'il est né en fait. Et on va faire un dirk, plutôt il va faire un dirk. Je touche pas à ça parce que je suis pas forgeron et je filme. Voilà, dirk historique. Ça peut être sympa. On y va ? On y va. Allez.
sur le choix du Dirk. Je rappelle, hein, c'est celui-là. Il y a une gorge qui est assez balèze. Et donc, mon petit forgeron, mon ami forgeron, m'a créé une machine à mon nom pour créer cette gorge. C'est purement artisanal, hein. Donc c'est une pièce unique pour faire une pièce unique. C'est classe. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. La lame est marquée par le forgeron. Le Dirk est né. Il est temps qu'il se repose afin de refroidir gentiment avant la suite de son développement. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs jours de boulot là-dessus, parce que c'est de l'artisanal, c'est pas de l'industriel. Au bout du deuxième jour, donc polissage de la bête. Première passe, c'est une première passe avant de faire 8 au total. Et en fait, ce qui a été fait hier, la rainure, la gorge que je précisais, en fait, il y a une gorge à faire pour mettre des trous après par la suite, a été effacée parce que c'était pas assez profond. Donc le copain, l'ami forgeron, va refaire ça différemment. Il y a 8 passages différents sur le polissage. Je ne filme pas tout, c'est toujours la même chose.
troisième jour de boulot. Alors forcément, Patrice a fait du boulot avant que je revienne, forcément. C'est un peu son travail, et puis apparemment, il s'est un peu chier. Donc, je disais que hier, il y a eu 8 passages différents pour... On peut lire. Ah bon, pour brosser. Je disais aussi que la rainure, de base, c'était effacé par les différentes couches de polissage. Donc, a été refait intégralement les gorges, le côté, les deux côtés, forcément, je pense qu'on voit bien, ouais, les deux côtés. Et là, les trous ont été faits. La lame passe maintenant à la trempe. On reste sur une dague. Il est impératif de suivre le protocole de forge pour qu'elle soit résistante, puisqu'elle sera affûtée. Le souci de cette lame, c'est qu'elle est têtue. Le forgeron a effectué deux fois la même manipulation et plusieurs redressages afin d'avoir une lame parfaitement droite. Comme pour la naissance, elle refroidira tranquillement dans la cendre avant de reprendre son développement. La lame est maintenant terminée. Voilà, et affûté, on voit bien, et je la laisse comme ça, de cette couleur. Donc il n'y aura pas un polissage qui va se faire derrière, j'ai pas envie. Cette couleur me plaît énormément et on va rester là-dessus. Donc, notre ami forgeron n'est pas que forgeron, il est aussi un peu artiste au niveau du bois. Maintenant, on s'occupait de la poignée et de tout ce qui est derrière. Ça, c'est la poignée. On fait un trou ici pour mettre la lame, on fait un autre trou ici, on vise tout, c'est terminé. Bon, officiellement, ça reste du frêne. Il sera travaillé largement parce que ça, la ceinture, ça le fait pas, hein. Vraiment pas. Ce serait dommage. Un bois blanc, un joli bois avec une belle lame noire. Ouais, ça va le faire. C'est cool d'avoir un forgeron qui fait aussi de la sculpture.
final. Et puis bon bah, transformation. Après quelques heures de boulot, voilà, ça donne ça. La base. Ça, c'est rond. Ça, c'est super rond. Et ça va changer. Il y aura un plat devant comme derrière pour avoir ce genre de choses là. Comme ici. Ce sera taillé dans la masse aussi, forcément. La poignée est bien dégrossie quand même. Il y a encore du boulot dessus à faire, hein, au niveau du ponçage et tout, il y a encore du boulot. Là maintenant, il faut augmenter le diamètre ici pour laisser passer la lame et emmancher le tout. Un filetage vient taminer la lame qui servira de fixation pour la poignée. Et oui, c'est historique. La poignée a été retravaillée afin que la lame l'épouse de son empreinte. La finition du pommeau se fait par une décoration en laiton. C'est un pur choix esthétique, c'est personnel.
le cœur revient souvent en décoration. Dans les cultures guerrières, les serments étaient prêtés sur l'épée. Comme les Écossais des Highlands étaient trop pauvres pour avoir une épée, le dirk servant dans la vie quotidienne et à de multiples usages, les serments se faisaient donc sur lui. Il est donc considéré comme le cœur de l'Écosse. Le cœur est donc imagé par rapport à un serment. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour l'instant. Seulement, manquant de sources sur le sujet, cela reste une hypothèse. Ça, c'est le dirk non historique, hein, présenté au début, donc il est pas top. Et ça, c'est le dirk historique. Meilleure gueule, voilà, on est quand même sur un truc beaucoup plus réel. Et si on compare, voilà, déjà, la lame du dirk historique a plus de longueur que lui tout seul. C'est une vraie lame de reconstitution historique. On ne l'a pas reconstitué de manière historique, autrement on sera encore en train de forer du minerai là. Non, on reste sur de la base forgée comme vous avez pu voir avec des sources historiques pour faire cette lame. On sait uniquement sur le dirk la longueur de la lame, ça je l'ai dit, et de la poignée. Le reste c'est unique, c'est un dirk unique. Ils sont tous uniques, clairement. On ne peut pas avoir deux dirks identiques. Et si vous avez vu, il y a des trous là. À quoi servent les trous? Eh bien, tout simplement, les trous servent à des choses que vous allez me dire en commentaire. Pour faire travailler un petit peu. Donc, à quoi ça sert? La vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir vu jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il était important pour moi de montrer l'ensemble de la fabrication du dirk, parce que c'est l'artisanat, et ça se défend. Et je défends l'artisanat, c'est pas nouveau. On se revoit pour une autre vidéo, prochainement, et si vous avez aimé l'introduction, ce sera aussi entièrement sous-titré en anglais, et ce sera bientôt sur Explolize, et sur Vimeo aussi. Voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!